Elle est un département français, le 100e. Jolie Martinique. Elle est aussi telle que l'imaginent tous les Français qui ne la connaissent pas. Elle est ce paradis de verdure, de soleil et de joie de vivre. Pierre Belin de Nambuc, flibustier français, annexe l'île de la Martinique au XVIIe siècle. Dès lors, elle demeurera majoritairement française jusqu'à son intégration administrative comme département en 1946. C'est vrai. Bon, hein? Là, nous sortis là. Si nous vivons en bout là, même en bout là, et que nous serrons en bois là, pour qu'on vienne dormir, puis nous, par exemple. Pour qu'on vienne dormir en l'autre côté. Mais. Quand même, marie nous? Ah bon, c'est comme ça qu'on apprend. Canek la On ne substitue pas simplement une main à Victor Schœlcher, ni pour le rendre plus grand, ni pour le rendre plus petit. Si l'on veut savoir qui est Victor Schœlcher, on se cultive sur ce qu'il a fait. Victor Schœlcher, le libérateur. Mais qu'est-ce que t'as à nous emmerder, là ? 9 ouais. 10 ouais. 11 ouais. 12 attends, 13 attends, 14 Yes! Foutou couillon, tu vois, même. Et puis frère, ouais, pas montrer mon sentiment. Toutes les femmes m'ont ravi de la voir pour garder ça, ouais. Moi, c'est un beau black. Et toutes les femmes en savent ça. Le nègre marron ou le nègre libre. Comme la table, il y a un petit garçon, ça va être étonné, moi, qui est. Les esclaves martyrs, victimes muettes de la traite négrière. Les chaînes inextricables. Les monuments aux morts pour la mère patrie, la France. Les œuvres plus libres ou fomentées, dit-on localement. C'est l'arbre de la liberté, c'est moi qui est à l'entrée. Voilà, c'est moi qui est à terre. L'arbre de la vie. L'arbre des esclaves. Mais monsieur Bayer, c'est là. Mais si c'est quelque chose. De toute façon, c'est les personnes terre à terre qui voient les choses qui sont à terre. Exactement. Ouais. Ça, c'est une statue qui représente. Oui, c'est une statue qui représente. Ça, c'est une statue qui représente. Oui, c'est une statue qui représente. Ça, c'est une statue qui représente. Donne-le ça. Une statue qui représente. Ça, c'est une statue qui représente. Oui, c'est une statue qui représente. Si les statues de Martinique sont à l'image de son peuple, assoiffé de liberté, il demeure place de la savane, une statue de marbre blanc. À l'histoire bien plus mystérieuse. Qui s'est offert la guerre du Vietnam? Mais putain, arrête de bouffer toutes les chips, meuf. Ok, notre 4 représente une Madinina, meuf. Eh ben, c'est Joséphine, allez, vas-y, fais-nous Napoléon. En fait non, elle est où la tête? Bon ben salut, moi c'est Marie-France, j'ai 24 ans et je viens de la Martinique. Joséphine de Beauharnais
à sa place au milieu de la Martinique. En effet, c'était une impératrice qui venait de la Martinique aussi. Hey, frère, tu peux y aller, frère, on a donné une soirée là, tu peux chaud les macarons. C'était des robes, sur les macarons. Mais elle a commencé à chauffer moi, frère, qu'à bas moi, alcool. Après, un petit photo. On va pas faire photo, mais tout n'est bien. Wow. Alors, mon pote. Alors, moi, c'est Mike. Bon bouc là. Et vous, c'est Mike et tout. Ou quand on est bon. Personne passe là-bas. Il décapite cette statue-là, et puis il laisse là-bas nous. Et puis. Personne ne passe à rien, ça. On va foutre comme un direct caméra, ouais. Ma gueule, ils vont tout parler. Vous aussi, c'est la fête. Ouais, donc moi, c'est Dany. Aïe! Bon, la statue de Joséphine, elle est là pour nous rappeler nos ancêtres. Cette statue est là pour nous rappeler ça. Et. Et Tati, vous voulez nous cabaler, Tati? Non, mais du coup, la statue, elle. Non, moi. C'est un papaye. C'est la main. C'est un manque, là, frère. Ni un siège bébé à dents. Ni un siège bébé à dents. Moi, c'est Zinel. Ah, c'est pas lourd. Mes parents sont d'origine tunisienne. Bref, j'ai lu l'histoire de Joséphine de Beauharnais. Comme quoi, c'était impératrice de France. Je suis allée en Allemagne l'année dernière. Je sais pas, j'ai pas vu de statue d'Hitler. Pourquoi la statue de Joséphine est toujours là? Pourquoi elle est là et qu'il manque la tête? Que la tête? Ouais, moi c'est John. C'est moi qui ai fait rôle là, t'as l'air de poser ces questions là. Hector Duc. C'est bien. T'as fermé les gueules, les gars là. À la Martinique, aux Trois Îlets, on continue d'entretenir le souvenir de celle qu'on baptisa voici quelque 200 ans dans cette petite église et qui devait devenir l'impératrice des Français. À ce moment même, nous nous retrouvons au pied de la statue à tête découpée de Joséphine. C'est de là que nous allons partir dans une série de recherches d'investigations journalistiques. Cette investigation spéciale, on va infiltrer des organisations de béquets, des organisations syndicalistes, des organisations indépendantistes. Pourquoi? Pour arriver à une question que je vous pose maintenant, une question que j'ai potassée pendant des soirées, une question en une seule phrase. À qui profite le crime? Entre le 8 et le 9 septembre 1991, la tête de la statue de la Joséphine a disparu. J'ai cru entendre dire qu'elle avait disparu parce que certains en fait lui avaient arraché la tête parce qu'elle était pour l'esclavage. Donc voilà. Là ils ont coupé la tête et ça voudrait dire que peut-être que si elle était vivante, ce serait la sienne qu'ils auraient coupée, je sais pas. Peut-être que si vous n'avez pas coupé tête pour l'enfant savant, c'est ça que vous fait. Alors vous êtes vengé que vous, les têtes de Joséphine, Martinique. Voilà. Ça peut être à cause des gens qui ont attiré l'attention en la période de là. Ça peut être des gens simplement qui ont trouvé que Joséphine n'a pas été en place là. Et peut-être que les gens ont mis Kaili aussi et ont bien admiré tous les matins, tous les soirs. Si vous êtes pour choisir une personnalité pour mettre en place à statue là, qui personnalité vous choisissez? Aimé Césaire. Voilà. Illumina Sophie, par exemple, c'est un madame qui représente la Martinique, qui a fait partie de l'histoire de la Martinique quand même. Joséphine, c'était compagnon d'un bouc qui mettait nègre en esclavage, ouais. Donc, bon, mettait en reconnaissance, bah, il m'a parlé si c'est vraiment intéressant, ouais, aussi. Écoute, moi j'en pense que c'est la manifestation, en fait, de colère, de rage, ce que représente la statue Joséphine. Et en fait... Vous en pensez quoi? Je ne peux rien vous dire parce que je ne vois même pas de quoi vous parlez. Vous êtes... On va vous en prie, ne dérangez pas la cliente. Eh bien, ça peut être un atout touristique. Ah. Ça peut être un atout, disons, un élément culturel. Mm-hmm. Un élément de réflexion. Oui. Ça peut être un passage par la réflexion de ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'esclavage. Oui. Alors là, je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne vais pas poser comme question spécialement, n'est-ce pas? En fait, tout, pas n'y a assez.
On va dire assez, de toute façon, je pense que vous projetez qu'on est dans l'avenir, essayer des gens qui ont mon feinte, qui ont en misère, ou les occuper de tête à Joséphine. Hein. Je pense que ceux qui l'ont décapité ont une très bonne raison, donc je ne peux pas me mettre à leur place. Hein. Chacun prend ce qu'il veut dans l'histoire. Je fais des renseignements sur Joséphine de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais. Et sa statue aussi, si vous pouvez. Ah, bah, excusez-moi, je suis un peu nouvelle, hein. Je commence, donc je vais plutôt vous renvoyer vers ma collègue à trois mois. Les collègues, Bonjour. Des informations sur Joséphine de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais, à la grande salle à droite. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a autorisé à me filmer? Je ne vous filme pas, madame. Vous ne me filmez pas? Je peux vous prouver. Madame, doucement. Donc, Dani, en train de bosser, tiens, bizarrement, pour une fois. Pas souvent. John, en train de rien branler, c'est pas étonnant. Voilà, c'est un truc. T'as un regard, j'y crois pas. J'avoue, certes. Le gars est en train de draguer la bibliothécaire. Il est une femme enceinte, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il demande des informations? T'as l'impression qu'il lui demande des informations? Marie-Thérèse Lidingo. Oui. Qui était Joséphine de Beauharnais? Je t'ai qu'à crier Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie. Ah. C'est Napoléon qui t'a qu'à appeler ma Joséphine. Donc, il naît le 23 juin 1763 au domaine de la Pagerie, aux Trois-Îlets, en Martinique. Il passait toute adolescence lila. Et puis après, il partit en France. C'est né en révolution en 1789. Ils ont été en prison. Et quand ils ont été en prison, ils ont été guillotinés. Et c'est là qu'il s'est débarrassé pour sauver tête-lui. C'était une femme qui était belle, il était qu'à servir du atouille. Ils ont menti et coupé tête-lui. Mais ils ont coupé tête Marie, qui était monsieur de Beauharnais, et était ni des petits mamans et puis. Ils lui trouvaient quand ils veuvent. Et puis. Ça nous a crié Filon, il trappait Filon et il arrivait jusqu'à Napoléon. Il s'est dit Napoléon aussi pour mailler pour protéger la situation. Ah, si pareil, il mentit en les lâches, puis si tu as maillé, veuve, et puis détiment maillé. Comme ça, papa, couronné yo. Et il est devenu première impératrice martiniquaise. Mais c'est Napoléon III qui ichli. Qui mandait au métier statut, grand maman et la savane. Eh bien, il m'a. Au château de Malmaison. Voilà. En plus, en c'est. 1814. Il était né 51 ans seulement. Attends, non. Il est en pneumonie. Mais ça qui a fait moi réfléchir, c'est que, en France, il a montré, il a menti, coupé tête-lui. Mais il faut qu'il arrive en Martinique pour y couper symboliquement tête statue. Allez au musée, vous avez appris l'histoire aussi. La Pagerie? Oui. Notre cœur pendant l'eau bagaille en les Joséphine. Sur l'ancien domaine familial de Joséphine de Beauharnais, les jolies métisses se font dire, comme autrefois la Bonne Aventure, dans l'espoir de se découvrir elles aussi un destin hors série. Seigneur. On n'est pas sûr. Bonjour. On peut dire sur la statue de Beauharnais. J'ai fait juste de Beauharnais, mais c'est vrai, mais on n'a pas la même. Ah bon? Non, ça avait été, mais on l'a vu tout à l'heure sur l'ordi, je vous ai dit de la tête. Celui-ci. Ça fait une heure qu'on est en train de le chercher, on a fait le tour du texte, pas de soucis. Ok, bah, c'est comme ça. Mais non, mais on vient de voir. C'est mademoiselle. Non, mais c'est bon, pardon, mais c'est... Tout à l'heure, je suis en train de raser la dame, okay. Ouais, non, mais je suis en train de la finir. Alors, s'il vous plaît, regardez, elle ne pas respecter moi. Putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, tiens. On n'est pas là pour mettre en enjoliveur de la ville des gens qui nous ont qui n'étaient pas pour nous. Révolte ne veut pas dire assassinat, brûler tout. Révolte, c'est un esprit. Celui qui a récupéré la tête et a une richesse. Et quand le temps va passer
où on ne sera plus là en train de se chamailler sous des picardies de manière juridique, cette personne-là ressortirait la tête et elle vaudra de l'or. À l'heure actuelle, si elle la met sur Internet, le gars, il a les couilles. Non, excusez-moi l'expression. Hein. Nous sommes pas liquides. Hein. Nous partons demain matin. Là, vous avez plein de gens qui sont là à longueur d'année. Hein. Oui, oui. Oh, pas ça conduit, Simon. Mes frères, mes fesses, ça m'a commandé ou quoi? Pas mettre doigt en Simon. Vous avez fait major. On se ramène dans la fesse, hein? Un peu là. Pas vrai, vous êtes vraiment des boules. Oh, qui ça, frère? Fais travailler, frère. Et puis, frère, continue de commenter, frère. Si on va à la Pointe Jacob, on va tous mourir. Waouh, quel joli hors-bord digne des films d'action américains. C'est un minimum quand on a passé les siècles et des siècles avant des sardines. Vous direz que les sardines, c'est nous? Moi, je pense qu'ils sont très, très, très chauds pour nous virer. Donc, barrons-nous. Caillezo, paie les gazos. Vas-y. Ils ont des ennuis, mais oh là là. C'est la dernière fois que je fais un projet de classe avec ce gars-là. C'est la dernière fois. Moi, je le dis. En même temps, on est obligé de le faire. Ça vide, frère. La disparition inexpliquée de la tête de la statue de Joséphine. je n'en sais rien, mais je pense que voilà, c'est juste que c'est morbide, quoi. À l'époque où on avait coupé la tête de Joséphine, à cette époque-là, il y avait une bagarre entre indépendantistes qui était assez forte. C'est tout ce que je sais. Il y avait des partis indépendantistes émergents. Et la Martinique avait une tendance à être indépendantiste autour de 20-25%. À peu près. L'attentat s'est déroulé dans la nuit du 8 au 9 septembre 1991. Donc à l'époque, les services de police et de renseignement ont fait tout ce qu'il fallait pour savoir qui avait perpétré cet attentat. Les renseignements généraux ont travaillé là-dessus et apparemment, il n'y a pas eu de piste particulière. Si ça s'était passé actuellement, on aurait pu, par exemple, savoir d'où provenait, par exemple, la peinture. Enfin, le sang qui est donc sur la statue de Joséphine. Il faut bien l'avouer, c'est quand même un sujet délicat où on rencontre beaucoup de problèmes, ne serait-ce qu'à l'abord même du sujet. Je ne parle pas là de la question technique. J'ai du mal à m'expliquer moi aussi d'où vient justement tous ces refus. Un peu de crainte peut-être de la part de nos partenaires également. Mais enfin, c'est un déni total d'en parler. Et c'est pourtant une statue qui est plantée là, en plein Fort-de-France. Il y a un groupe d'étudiants qui ont sur la disparition inexpliquée de la tête de la statue de Joséphine. Est-ce qu'on pourrait voir un responsable? Toute la journée sera arrêtée dans les bassins. Et moi, je suis à l'accueil. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est de transmettre une demande de rendez-vous. Et donc, nous sommes en train de tourner. Moi, à mon niveau, je ne pense pas avoir la caution nécessaire pour ça, comme là aujourd'hui. Donc, nous sommes en réunion avec les cadres dirigeants de plusieurs départements. La disparition de la tête de la statue de Joséphine. Mm-hmm. On pose des questions comme ça aux gens pour juste savoir leur avis, ce qu'ils en pensaient tout. Mm. Bon, malheureusement, je ne serais pas en mesure de vous renseigner. The head goes away too often. I think it makes it more interesting without a head than if she had her head, it would just be another statue. But now, everybody's going to mistake her for Marie Antoinette. That may be a problem. She's a very famous figure, so you would understand why there's a statue to her, because she's a famous woman and she was born here. But the question is someone who promoted slavery someone that you want to honor with a statue? La tête de la statue de Joséphine. Moi, j'avais eu quelques échos de ce fait divers. C'est un personnage contesté et par certains, adulé par d'autres, quelque chose d'un peu mystérieux. Pourquoi la réponse, honnêtement, je ne l'ai pas. Je ne sais pas d'ailleurs si on l'a retrouvée, cette tête, finalement. Il y a d'autres têtes coupées qui sont plus intéressantes. Oui. Vous n'allez pas trouver des gens pour parler avec vous. C'est pas un endroit où on peut parler avec les gens. Mais non, on ne se sent pas vraiment fier. Elle est mieux comme ça, sans tête. Souvent à Athènes, on avait des statues sans tête, sans couilles, sans pieds, sans jambes. Comment marche tout vite, frère? Bonjour.
Ils ont fait un documentaire sur la disparition inexpliquée de la tête de Joséphine, de la statue. Est-ce qu'on peut vous interviewer? C'est parti. Rien n'est parti du tout, hein. Ok, c'est votre affaire. Avec moi, une communication de l'autre, c'est votre affaire. Non, mais Enfin, quand même, ça pourrait être possible. Non, parce que si ça avait été les béquets auraient réussi certainement à récupérer toute la statue entière. Là, on s'aperçoit que c'est vraiment des gens qui n'avaient pas trop de moyens qui ont fait cet attentat-là. C'est vraiment la punition suprême. On décapite Joséphine. Je pense que l'interview est terminée. Je crois que je vous ai dit tout ce que je savais. Mais non, écoutez, je cherche à découvrir... Non. Vous allez au-delà de l'interview, finalement. Monsieur. Rosine, t'as pas fini de travailler? T'as toujours ce compte de Joséphine, là? Putain, ouais, j'en finis pas. Déjà, t'es même pas entier si on te demande de faire ça. Même pas ça t'intéresse. Bah si, justement, ça commence un peu à m'intéresser. Parce que franchement, ça devient chiant, quoi. C'est qui vous êtes d'ici, de la Martinique? Tu vas avoir des problèmes sans même les demander, tu viens d'arriver. Marie-France, elle est d'ici. Tu la sens pas un petit peu inquiète? Non. Tu veux pas m'écouter, je me casse. Tu délires, putain, attendez. Putain, arrête! Bon, sonnerie. Cette cafe-là, faites bon, ça. Bon, t'as quand même entré en case là, ça. Ok? Alors, tu me dis ou quoi? Allons-y, mais c'est quand même dit qu'il y a t'es mal, Lila. Qu'est-ce que t'as? Ça veut dire quoi qu'il a faut? Assez stressé quoi, faut déstresser, calme quoi. Dis! Qu'est-ce qu'il a? Moi, à mon niveau, je pense pas. Allez, sois tu là, c'est ça. Bois ton eau, sois tu là. Ferme ta gueule, toi. Qui ça te dit là? Non mais bah toi. Bonsoir. Vous parlez de quoi? Joséphine, c'était une tourneuse professionnelle. Sans l'aide. De bon darnais. Eh bien, elle allait en France, elle allait en Guadeloupe, elle allait partout, elle tournait. Une femme comme ça ne peut pas ne pas tromper son mari. Vu mon expérience, je sais. Pourquoi on a coupé sa tête, d'après vous, hein? Parce qu'elle coupait trop. Bonne question. Ah ben voilà. J'avoue que tu peux oui. Pas être un peu sérieux, alors, toi, de temps. Ma quête dit ça, ça y est, peut-être là. Figure que les y ont fait statia, y ont moulé à Soufi, dit Joséphine. Et puis là, y ont moulé, c'est mon enfant ça, pour faire zin, zin. C'est mon ça, y ont laissé ça. Et puis qui t'aime dire? Est-ce que vous comprenez comment il y a Napoléon qui a pris ça sur la terre? Donc là, il y a un péré. Est-ce que vous pensez que c'est pas hasard? Ah non, ben oui, ça c'est bien. Cachine! Cachine pour vous, cachine! Comment il fausse? Quand tu fais ça devant la porte, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce machin là? Quoi imaginer la matinée qui a fini ou moi? J'aime boire, vaudou, moi sûr c'est John qui a fait ça. Monsieur, mais c'est mettre ça là pour essayer de faire. Mike! Tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pour moi? Il y a des films, un petit leader, il y a la tout douillet. Mon sexy petit corps. Ah! C'est attends, vrai. Mike. Où ça? Sérieux là? Ouais, c'est ok. Je préfère te laisser. Il y en a qui ont besoin de profiter. Là, on est avec deux comiques. Mike. Non mais il n'y en a pas un qui s'est branché la caméra là. C'est bon? C'est ok? Excusez-moi, je voudrais un autre exemplaire, un autre bouquin en fait. C'est des choses à savoir. Ouais. L'impératrice. Pourquoi Joséphine? Je peux vous suggérer autre chose. Je suis même pas à savoir où est votre pote. Non, c'est pas non. Non, on voudrait juste Joséphine. Joséphine. Oui, Joséphine. Non, pas ni Joséphine. Vous êtes des enfants, en fait. Putain. Madame, excusez-moi. Non, là, j'ai pas le temps. Je pense que ma collègue vous a déjà donné tout ce qu'il fallait savoir. Si elle a pas, c'est qu'il n'y a pas. Ils appartiennent à moi. Alors, laissez le document. Joséphine. Eh,
Elle m'a dit, c'est tranquille. Attends, bah, allons-y, ça nous a fait un peu de temps. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, nous avons pris une décision importante, celle de continuer le tournage du documentaire en l'honneur de Mike qui nous a quittés trop tôt. Il est en train de me montrer la poupée vaudou que John. De quoi tu parles là? La poupée que tu lui as laissée avec les épingles, je sais pas, le truc. Mais non, mais. Pourquoi? J'aurais jamais fait ça. Malédiction, la malédiction de Joséphine. Pas chier, John, pas chier. Et ouais, ben justement, j'ai envie de chier. Ouais, bah, c'est plus. Mais tant bien. Mais attention. Quelle façon, ou pas foutre la merde à passer dans la taille, Véo. C'est moi. Je me casse. Il faut me tuer, c'est sûr. Marie-France, j'ai un truc à te dire. Le contact au de Béquet, c'est moi. Ouais, ok, voilà, je l'ai dit. Putain, merde. Qui ça encore? Marie-France, je l'aime vraiment. C'est petit, j'avais pas fait le con. On aurait pu être bien. C'est quoi ça? Putain. Effectivement, il paraît que la tête a été moulée sur le crâne de l'impératrice au cours d'un rite sacré. C'est une légende. Vous savez, vous voyez Joséphine comme une manipulatrice. Moi, je la vois plutôt comme une femme libérée, une féministe, qui, aux oreilles de Napoléon, a fait que la Martinique soit française. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Vous en êtes où de ce débat? Vous l'avez montré à quelqu'un? Il y a eu tellement de complications. Ah bon? Non, c'est... Ah ah non, c'est merde! Oh putain, mon Dieu! Je les aime.